Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le nouveau jour du calendrier de l'Avent sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau jour, nouvelle vie, nouvelle maison. Jour 17 du calendrier et une maison encore le style victorien. Vous savez que j'aime beaucoup ce style-là, beaucoup beaucoup. Et sur celle-ci... C'est une maison qui s'appelle la mauve. Je voulais faire quand même une petite maison dans les tons mauve-violet. Le souci, c'est que dans les Sims, le violet est très inexistant. Ou alors, soit il est très très fort en matière de peinture. Vraiment très violet. Mais après, c'est vite vu du fuchsia ou du rose. Donc c'est pas très très violet. Et donc le parement que j'ai choisi pour cette maison est en fait finalement pas légèrement mauve mais clair, limite bleu en fait. Donc c'est limite un peu décevant. Mais bon, au niveau du style, ça va. Elle fait moins victorienne que certaines autres que j'ai pu faire et que je pourrais faire. J'ai voulu cette fois-ci faire une tour un peu centrale et ajouter ces petits éléments de toit, hein, les petites espèces de fenêtres, les ornements de toit. Finalement, j'ai un peu galéré à les mettre, à trouver la bonne couleur et tout ça. Je crois que je les ai juste laissés au final sur la tour, en haut de la tour. Mais s'ils n'étaient pas là, ce serait pas très très grave, on va dire, parce que c'est pas essentiel, je trouve, à l'esthétique de la maison depuis l'extérieur. Au niveau fenêtre, pas trop grand choix, hein, parce que violet ça n'existe pas. Enfin si, celle avec montre magique, c'est les vitres qui sont un peu violettes avec la lune et tout ça, tout ça. Donc finalement, eh bien, je suis restée sur du classique avec des volets noirs. Et puis du coup, j'ai agrémenté eh bien, l'extérieur avec une espèce de parme. Hein, et puis le reste, c'est du blanc et noir. Ça reste du classique, ça reste facile. Mais c'est mignon, ça donne un certain charme... Faut aimer quoi. Pour la tour, j'étais bien embêtée puisqu'elle fait 3 sur 3 en largeur et les fenêtres que j'avais sélectionnées faisant 2. Je ne pouvais pas la centrer sur la tour, donc j'ai galéré à trouver une fenêtre qui allait. Mais j'ai finalement... trouver une toute petite fenêtre hein, qui fait un peu tour, qui fait un peu jaune, mais c'est pas mal. Au niveau de la porte, ça c'est aussi un petit peu galère à trouver, mais je crois que finalement, certaines portes qui sont dans le jeu de base correspondent parfaitement. Hein. En plus, elle allait bien parce qu'elle était... vous voyez, il y avait le petit triangle doré en haut des fenêtres et de la porte qui était carrément en accord, donc j'ai laissé ça comme ça. Parce que c'était très mignon comme c'était. Vous voyez là j'essaie de regarder s'il n'y avait pas quelque chose de plus peps ou quoi. Parce que bon bah là le violet il fait bleu hein, on va pas se le cacher. Hein. Parce qu'en fait c'est pas un violet. C'est vrai, c'est un mauve. C'est un mauve, c'est un parme, c'est pas un violet. Hein, c'est malheureux. Et j'ai essayé de faire avec un extérieur violet comme dans les peintures. Hein, comme je vous ai dit au début. Mais ça faisait vraiment trop fort comme couleur, donc bah voilà, je suis restée sur une espèce de mauve clair, du coup qui fait un peu poétique sur les bords quand même, parce qu'il est pas très très accentué, mais voilà. Donc à l'arrière de la maison, nous avons toujours une toute petite terrasse abritée, et devant un petit porche, qui au-dessus du porche en fait fait un balcon, donc c'est plutôt sympathique, ça change un petit peu d'avoir un balcon au-dessus d'un porche. D'habitude je fais juste des porches et des terrasses, mais pas de balcon par-dessus. Donc là, bah, je me suis dit pourquoi pas innover. Là je suis donc en galère de trouver la fameuse fenêtre, mais que j'ai trouvé finalement. Je vais mettre celle-ci, qui fait un peu à quadriller, tout ça, qui fait ancien, hein, ce qui donne le charme aussi de la tour. Et j'ai inversé en fait l'espèce de cadre, il est mis à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur pour garder la finesse de la fenêtre en fait sur la tour. Je trouvais que ça faisait un peu... Et puis ça faisait tâche par rapport aux autres fenêtres, tout ça, donc c'est pour ça que le plus gros de la fenêtre est à l'intérieur. J'ai ensuite fait les petites barrières dans le jardin pour délimiter et rajouter quelques poutres pour marquer les coins.
Donc du coup, on est vraiment plus sur du mauve noir hein, sur l'extérieur avec la toiture noire. Ouais, bah en fait, avec une couleur comme ça, je savais pas trop quoi mettre à part du noir, donc bon. Après, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez changer les couleurs comme vous le voulez. En disposition des pièces, nous avons donc en tout 6 chambres. Ouais, il y a 4 chambres au premier étage, puis 2 chambres au dernier étage, et un rez-de-chaussée vraiment bah, toujours avec pas mal de confort. Il me semble d'ailleurs qu'il y a une pièce en plus au rez-de-chaussée qui peut faire office de chambre, au cas où vous aurez voulu amener grand-mère ou tati qui s'est pu se déplacer. Enfin bon, dans les Sims ça n'existe pas, mais bon, on peut imaginer certaines choses. ou alors faire une bibliothèque ou chambre de bambin, tout ça, vous savez, vous faites comme vous le voulez. À l'étage, donc, nous avons un grand couloir que je vais un peu galérer à faire. Je me souviens que j'avais. Comme j'ai la symétrie aiguë, ben, j'aime bien que ce soit symétrique. Voilà. Sauf que, à faire un trop large couloir, parce que je voulais vraiment que ce soit sur deux carreaux et pas un, parce que je trouvais ça trop petit, un seul carreau, eh bien, ça bouffait de l'espace, en fait, sur l'étage. Je me suis dit, mais oui, mais là, je vais avoir des chambres très très petites, en fait. Puis finalement, j'ai quand même trouvé. J'ai fait une espèce de trucs un peu à l'escargot là où ça se tourne dans tous les sens et aux espaces où c'était vraiment plus fin et eh bien j'y ai mis des salles d'eau du coup on en a plusieurs enfin pas énorme je crois qu'on en a une en rez-de-chaussée on a peut-être une ou deux à l'étage et encore une au deuxième donc c'est quand même pas mal. Au deuxième étage, du coup, ben, on arrive sur une chambre. Deux chambres, pardon. Un palier qui dessert deux chambres et une grande salle d'eau. Donc, on ne sera pas au reste, hein. Les Sims qui auront ces chambres-là seront quand même de la chance. Et puis, une belle vue en plus de ça. Bien sûr, la maison sera disponible dans ma galerie aussi vite que possible, hein, quand je saurai qu'il est l'heure pour moi de vous la partager. Et puis, n'hésitez pas à la prendre sur ma galerie et puis la meubler comme vous le souhaitez. Et puis aussi, la partager dans la galerie, que j'aille voir qu'est-ce que vous en avez fait, ça me ferait plaisir. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle maison pour le calendrier de l'Avent. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, mais c'est mettre un like, un commentaire. J'y réponds toujours. Regardez une pub ou deux ou trois sur YouTube et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous. À demain. Ciao.